En tout cas, c'était pas mal nul l'espérance de plaquer un gars de ta propre équipe. Ce qui est nul, mon jour, là, c'est de pas reconnaître une rondelle quand t'en vois une. Bravo, les petits gars! Pas mal fiers de vous autres, hein? Ça mérite une belle récompense, hein? Tiens. Mais ça vous donne pas la permission de relâcher, hein? Je veux la même énergie pour la prochaine partie, hein? Hey, cool, un gratteux, merci, papa! Arrête, tiens. Oui? Tiens. Oui? Oui? Non. Tu gardes pas le tien? Ben oui, là. Hein? Hey! T'as gagné! Hein? Hey, j'ai gagné 60$! Ouais! Max, déjà debout à cette heure-ci? Ah, oh oui, c'est parce que j'ai ma chanson qui me trottait dans la tête. Là. Je voulais essayer de la finir avant ce soir. Ta guitare, bébé? Ah, non. Non, ça, c'est une guitare prêtée. Là. T'es-tu pressé? J'aurais besoin d'un dos. Vas-y, j'ai le dos large. Non, non, pas un dos de main. Ah, non, non. De moi, là. OK. Oh, c'est bon, j'ai... Les gars, ce serait pas un de vous deux qui aurait mon disque de Genesis? Je le cherche pour un cours. Je m'en suis servi pour une compétition de lancer du disque à mon école. Ben non, j'ai pas vu. Non, mais non, moi non plus. Non. Après ça, Vando. OK. Puis en rythme. Après ça, en rythme. Puis on recommence. OK. OK, un, deux, trois, quatre, et puis... Hey, c'est très beau de guitare. Bravo les guitares, vous avez beaucoup de talent. Vous êtes aussi les gars, vous avez beaucoup de talent. En fait, vous faites un duo formidable. Mais hein? Mais oui, c'est ça. Mais oui, Vicky, bonne idée. Manolo, j'aimerais ça que tu joues ça avec moi ce soir. À place de la tune que j'avais préparée, là. Mais oui, ça lève bien plus. Attends, tu veux que je fasse le numéro avec toi ce soir sur une vraie scène devant un vrai public? Mm-hmm. Si ta maman est d'accord. Puis aussi le responsable de la soirée. Je m'occupe de ma mère. Les meilleurs moyens de persuasion sont toujours les plus simples. Est-ce que t'as des devoirs en retard? Non! Fiu a me demandé ça hier, puis je t'ai faite. Bon, ben, comme tu vas te coucher tard ce soir, arrache-toi pas pour arriver en retard à l'école ce matin, hein? Allez, va finir de déjeuner avant que je change d'idée. Youhou! Allez, merci, maman, t'es fine, t'es ma belle... un peu de dignité, quand même. Merci, maman, t'es pas mal cool. T'as toujours pas trouvé ton Genesis? Non, c'est un vrai fouillis là-dedans, on dirait que personne fait attention. Je sais, moi, ça fait au moins 2 semaines là, que je cherche mon disque de KFB. 2 semaines? Mais là, j'espère que je vais trouver le mien avant. Ben, bonne chance, hein? Bon, ben, j'imagine que la seule façon de me retrouver là-dedans, c'est de faire le ménage. Bonne idée. Ça, c'est à Claude, Marianne, Simon? Simon, Claude, Marianne. Oh. Ben, tu as un petit coup de main, Vicky? Ça serait pas de refus. Hey, as-tu vu la face du gars au dépanneur quand il a montré ton billet gagnant? Moi, je lui ai dit, oui, c'est bien mon chum Simon qui a gagné. Donnez-y son argent. C'est drôle, il suffit de gagner à la loto pour passer de nul à chum. Ah, en tout cas, merci, t'es pas mal cool. Non, je suis pas cool. J'espérais juste qu'en y payant des crottes au fromage, ben, il arrêterait de me suivre comme un chien de poche. Y a pas de quoi. Des crottes de fromage! T'es pas supposé être cassé, toi?
Si t'en veux, toi aussi, t'as juste à t'en faire des amis qui gagnent à la loto. Ben... Ah ouais? Ouais, là, j'ai quand même pas gagné 1 000 000, j'ai juste gagné 60 $, moins un sac de crotte au fromage. Mais en parlant d'argent, c'est aujourd'hui que t'es supposé me remettre mon 20 $, hein, Tony? Oui, je le sais, je le sais. Ouais, mais j'en ai besoin pour aller au cinéma, hein. Puis tu fais manquer ma sortie avec mes amis, là, je te jure que je vais... Relax, Chloé. Simon, quand on gagne à la loto, il me semble que c'est la moindre des choses d'en faire profiter ses amis, hein? Ouais. Ben, c'est vrai que je t'ai acheté un sac de crotte au fromage, ça serait pas correct de rien donner à Chloé. Ben là, Simon, tu vas pas me... Oui, je vais te payer le popcorn au cinéma. Ouais, ben pour que tu y payes un popcorn, il faut d'abord qu'elle se rende au cinéma, pis t'as pas compris, elle l'a dit, elle a pas une scène. Ce que j'ai compris, Anthony, là, c'est que tu y dois 20 $. Si tu y donnes, y a plus de problème, hein? Tiens, je vais te donner l'argent pour le popcorn. Oh non, laisse faire, Simon. C'est comme tu veux. Il est bien cheap, lui. Tu peux bien parler, toi. Hey, t'es mieux de trouver l'argent, Tony Mongeau, là, parce que sinon, je te dis, je vais... C'est correct, c'est correct. Simon, attends-moi. Coudon, il est aussi collant qu'une gomme en dessous d'un soulier, lui. Hey, merci beaucoup, hein. À cause de toi, il va falloir que je rembourse aujourd'hui l'argent que je dois à ma sœur. Mais t'es chanceux, je vais quand même te laisser une chance de te reprendre. Merci, Antonin, t'es trop bon pour moi. Je te mérite pas, sniff. Ah non, sérieux, Simon, prête-moi donc un 5 pour des gratteux. Si je gagne, je garde 20 $ puis je te redonne tout le reste. Tu peux pas me refuser ça. Tu veux que moi, je te prête de l'argent? Tu sais, je suis pas sourd, Antonin. J'ai entendu ce que Chloé a dit. Elle vient de dire que t'es pas fiable pour payer tes dettes, ça fait que... Allô? Voyons, Simon, tu vas te contenter d'un maigre 60 $ alors que c'est ton jour de chance? Non, non. Comme dit mon père, c'est avec des dollars qu'on fait des piastres. Quelque chose de même. Ouais, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à perdre, puis peut-être beaucoup à gagner. Non, c'est correct, là. 5 $, mais pas plus. Yes! Oui? Oui, oui. Ah, oui. Puis, tu seras l'organisateur du... Excusez. Le nom de notre duo pour le programme, ça pourrait être... Manolo et Max... Bluesman! Manolo et Max, Bluesman! Oui! ah non, vous serez pas déçus. Ah non, Manolo, il pue à plein nez. Oui, oui. Le talent, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, merci, M. Koslowski. On se voit ce soir. C'est ça. Au revoir. Hey, je vais t'engager comme impresario. Un coup parti, t'aurais pu me négocier une augmentation de salaire. Ah, mais ben, c'est pas un problème, ça. Combien tu veux? Le double, le triple, n'importe quoi. Mais sérieux, là, j'imagine que tu vas me donner une partie de ton cachet. Bon, pas obligé de séparer moitié-moitié, là, je comprendrais, c'est ton contrat. Ouais, surtout que la moitié de zéro, ça fait toujours bien zéro. Peut-être le double. Non, ça marche pas. Le triple, non plus. Il est en train de me dire qu'il veut pas me payer, lui? Hey, c'est de l'exploitation, ça! Hey, je savais que t'étais pas bon en maths, mais à ce point-là, là... Sacré farceur! Non, mais... Inquiète pas, ils vont payer notre taxi, là. Il y a toujours bien des limites à faire un show gratuit. Un show gratuit? Ben, un spectacle bénéfice, si tu préfères. Mais oui, tous les profits des billets s'en vont directement pour la recherche pour la maladie d'Alzheimer. Hey, je suis assez content que tu viennes avec moi, Manolo. Là, tu vas voir, c'est une super belle cause. Oh oui, en plus de ça, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. T'as sûrement dû oublier. Oui, non. C'est qu'en fait, la guitare, ils vont la vendre aux enchères. Tu comprends? Alors, ils voulaient que je joue avec pendant le spectacle pour montrer que c'est un bon instrument. Mais, comme t'as beaucoup de talent pour ton âge, c'est toi qui vas jouer avec. Hey, c'est excitant, ça! Plus excitant que ça, je frétille au bout d'un hameçon, hein? Il était plate, le gars du premier dépanneur, de pas vouloir nous donner nos gratteux. Tant pis pour lui, il a perdu une vente. Pas bon. T'sais, c'est vrai qu'ils ont pas le droit d'en vendre au moins de 18 ans, mais il y avait pas de police dans le dépanneur. Pas bon, moi non plus. Ah! Peut-être qu'ils pensaient qu'on était des espions de la GRC puis qu'on cachait une caméra sur nous autres. Ah, pas bon, lui non plus. Pas bon, moi non plus. Ben, peut-être qu'il a refusé de nous en vendre par honnêteté. Non! Pas bon, lui non plus. Je sais pourquoi on n'a pas gagné. Parce que si tous les billets étaient gagnants, personne ne ferait d'argent avec ça. Non, 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 non. Cette fois-ci, ça va marcher, Simon. On va retourner acheter des gratteux où mon père achète ses gratteux, puis on va les gratter dans la chambre des joueurs. Rappelle-toi, ça t'a porté chance une fois? Ouais, plus superstitieux que ça, il s'achète une boule de cristal puis il me prédit mon avenir, lui. Les gars, est-ce que je peux entrer? Il y a quelque chose qui me dit que mon père aimera pas du tout ce qu'on est en train de faire, là. Antonin, cache-toi pas, innocent!
Oui, oui, y'a pas de problème. Ah, tenez. Puis, quoi de neuf? Ah, ben, moi, pas grand-chose, mais votre garçon a gagné 60 $ ce matin grâce à mon père. Ah, oui, de quelle façon? Ben, M. Mongeau a donné un gratuit à tous les gars de l'équipe pour nous récompenser de notre belle performance. Ah, ben, j'espère que tu vas dépenser cet argent-là intelligemment, moi, Simon, hein? Ah oui, en passant, il y a un des tuyaux de la laveuse qui fuit. Ah, dis-moi pas qu'il est en train de me demander de l'argent, lui aussi. Combien? Comment ça, combien? Mais non, tu sais bien que je vais régler cette affaire-là moi-même, là. Non, c'est juste que j'aurais besoin de ton aide là, pour déplacer notre bonne grosse laveuse de son trou. Allez, debout. Mais voyons, Simon, là, tu tires ou quoi? Ben oui. Là, Simon, là, ça serait tellement plus simple si tu débarquais de ta chaise. Hmm? D'accord. Je ferais mieux de trouver une autre solution. Ah! Mon dos! Je me suis vraiment pas manqué ce matin. Hein? Ben, c'est pas grave, mais... Mais tu pourrais aller aider mon père, Antonin? Ben là! Ben... Ah, la belle visite! Oh, je m'excuse, un petit temps, mais il faut que j'aille aider son père, hein? Je compte sur toi pour t'en débarrasser. Je suis désespérée, là. Plus la journée avance, moins il y a de chances que mon frère me rembourse. Ouais, c'est plate pour toi, hein? Tu sais, ça me dérange pas de pas manger de popcorn au cinéma, mais ça me ferait bien de la peine de pas y aller du tout, par exemple, hein? Ouais, ça a bien l'air que ta soirée est gâchée. Ben, peut-être pas. Je me suis dit que vu qu'il manquait à peu près 4 $ entre le prix d'un popcorn puis celui d'une entrée, tu pourrais... Mais là, ça fonctionne pas comme ça, Chloé. Tu sais, un petit popcorn, là, ça coûte juste... Ah! Tu voulais seulement m'offrir un petit? Ben, je... Ah! Oh, est-ce que j'ai le droit de le dépenser pour moi, cet argent-là? Qu'est-ce que tu veux t'acheter? Ben... Avec tout ça, là, j'ai même pas le temps d'y penser. Avec tout ça, là, c'est de sa faute à lui, hein? J'aurais jamais dû lui passer 20 $ pour aller au go-kart, hein? En plus, il était puni cette journée-là. Compte sur moi que papa va le savoir. Ah ouais? Ben moi, je vais compter à maman, il faut que t'es pas allé à l'école parce que t'avais pas étudié pour ton examen. OK. Ben moi, je vais dire qui a déchiré le bas du divan du salon puis comment ça s'est passé. Ah oui, c'est-tu toi? Wow! Allez laver votre linge sale chez vous, là. Simon, l'espérance! Tu préfères gaspiller ton argent dans des gratteux plutôt que de me rendre un service. Là, Chloé, je t'avais promis l'argent pour aller... pour aller t'acheter un popcorn. Regarde. Bien. Bon appétit. Ben là... 2 $, ça fait longtemps que t'es pas allé au cinéma, hein? Oublie pas le 5 $ pour les autres gâteaux, je vais aller les chercher. Antonin, je t'ai jamais dit oui! Hey, là, ça va faire, là, dehors! Vous viendrez quand c'est ma face qui va vous intéresser, pas la face de la reine! J'ai mon argent avant qu'ils reviennent. Ça, c'est la mienne, hein? Oui, elle est un peu plus vieille, mais elle est encore très potable. Ça, c'est celle de Claude. Oui, elle est plus belle, c'est vrai. Sauf qu'elle est plus grande. Essaye-la, essaye-la. J'ai le choix entre avoir l'air d'un clochard ou d'un parachute, c'est le fun. Mais voyons donc, d'un parachute, là. Une fois rentré dans les pantalons, ça va être parfait. L'important, c'est d'avoir l'air du duo. Manolo, il y a Mme Riel pour toi en haut. Hey, Mondo! Ben, je pense qu'en la tirant un petit peu vers l'arrière comme ça, ça devrait aller, hein? Je fais quoi, moi, s'il y a un courant d'air puis que je pars au vent? Oh! C'est pas grave, ça. C'est le trac, hein, la nervosité. J'étais pareil à mes débuts. Oh. Hey, je suis tellement content que Manolo vienne avec moi cette année, là. Oh, je suis pas mal fière de lui. Je pense que ça va être une bonne expérience. Mm. Toi, ça fait combien d'années que tu le fais, spectacle bénéfice? Ah, ben, moi, ça fait longtemps, là. Tu vois, j'ai commencé quand j'ai appris que mon grand-père avait la maladie d'Alzheimer. Ben, je devais avoir l'âge de Manolo. Je suis vraiment désolé, Max, mais je pourrais pas y aller, finalement. Madame Riel m'a demandé de garder ce soir. Mais là, t'es pas sérieux, là?
Ben voyons, tu t'es déjà engagé. Mais là, c'est pas vraiment un engagement. On est même pas payé. Oh, ben, Manolo, la porte carpentier, j'en reviens pas. C'est quoi cette idée-là que tout se monnaye? Oh, la machine à morale vient de se déclencher. Dans ce temps-là, je me suis fait une petite chanson dans ma tête puis je l'écoute juste d'une oreille. Tu sais, Mano, dans la vie, là, on n'est jamais trop généreux ou on rend jamais trop service. Tu sauras que le bénévolat, c'est toujours payant. On trouve toujours sa récompense, puis souvent là où on s'y attend le moins. Laisse faire, Vicky, là. Essaye pas de le convaincre. Non, non. En tout cas. Et merci, Marc, je t'en dois une. Hein. Ouais. Tu m'en veux pas trop, j'espère. Mais non, c'est juste que ton nom va être déjà sur les programmes, là. Faites-en pas, là. De toute façon, ta gang d'Alzheimer, ça se souviendra plus demain que j'étais pas là. Excuse-moi de pas rire, hein. C'est juste que mon grand-père est mort de la maladie d'Alzheimer. Simon, est-ce que je peux rentrer? Non, Simon est chez Thomas, il va coucher là. Ah. Puis Manolo? Ah, ben finalement, il a annulé le gardiennage puis est allé faire le spectacle bénéfice. Ben là, on dirait que ça fait pas ton affaire. Ah, ben là, j'ai poussé un peu fort. J'espère quand même qu'il est pas allé juste pour me faire plaisir. Ah, oh, ben. Mm-hmm. Mon disque de Genesis. Regarde donc, c'est le disque dedans. Brillant. C'est le disque de KFB que Manolo cherche depuis des semaines. Ah, oh, puis gardons ça, toi. Le boîtier est juste ici. Ben, coudonc. Je vais aller rendre à César ce qui appartient à César. Ah, oh, oui. Est-ce que Claudius pourrait avoir un léger baiser? Seulement qu'il est fin. Oh, ben là. Écoute, Victou, je vais rentrer tard, là. Mais je te promets presque que la laveuse va te réparer demain matin. Ben, tu vas faire? Tu vas m'envoyer un plombier cette nuit? Puis finalement, on peut-tu te servir de la laveuse? Ben, ton problème est réglé. Bon, ben, j'espère pour toi que la sécheuse brisera pas. Claude, regarde ce que j'ai trouvé dans la poubelle de Simon. Hein? C'est pas son genre à Simon de gaspiller de l'argent comme ça? Non, non, sauf s'il pense que parce qu'il a gagné une fois qu'il peut encore gagner. Je vais y parler quand il va revenir d'école. Hey, puis comment tu trouves ton lendemain de veille, partenaire? Pis, Mano, est-ce que ça a été si forçant que ça hier, finalement? Non, je suis content, finalement. Si j'avais pas participé au spectacle bénéfice, j'aurais jamais rencontré le monde trippant qu'il y avait, là. Pis en plus, Manolo a eu tout un succès musicalement parlant. Hein? C'est vrai? Je me demande même comment je vais faire pour retourner dans le monde normal. Mais sérieux, je voulais te remercier pour... ben, tu sais quoi, là? Non, je sais pas. Bon, avez vérifié si j'ai quand même bien compris le message. Je veux te remercier de m'avoir fait comprendre que faire du bénévolat, c'est payant, qu'il y a toujours une récompense là où on s'attend le moins. Hey, Mano, je veux savoir, est-ce que t'as été content de retrouver ton disque de KFB? Ben, c'est de ça dont je te parle depuis tantôt. Hein? Ben, c'est toi qui l'as déposé sur mon lit? Oui, oui. Ben, c'est ça, là. C'était pas nécessaire, mais je suis bien content. Bonjour, les gars. Bon... Tu vois que tu t'en faisais pour rien? Hey, excuse-tu, Claude. Quoi? Vicky, c'est peut-être pas de mes affaires, mais... c'est parce que tu veux faire vivre l'expérience du bénévolat à Manolo, puis en même temps, tu lui donnes une paye après. Quelle paye? Alors, franchement, j'étais là quand il a trouvé l'argent là, dans le boîtier de son CD. Mais voyons, j'ai jamais mis d'argent dans le boîtier de son CD. Ben, il y avait plus ou moins 50 $. Attends, est-ce que c'est le boîtier de CD que t'as retrouvé dans la chambre de Simon, ça? Hey, j'espère qu'il est pas parti avec ça à l'école, lui. Manolo! Ben, c'est ça, aide-moi pas, là. Je me demande si ça paraît dans ma face ce que j'ai fait hier. Oh, excuse! Antonin, mon Joe, vas-tu arrêter de jouer à la cachette avec moi? Ah, quoi? C'est la première fois que je te vois aujourd'hui. Menteur! Bon, qu'est-ce que t'as fait encore? Mais... Hey, je suis restée à la maison toute la soirée à niaiser pendant que mes amis étaient au cinéma. C'est pas mon problème. Pas ton problème, hein? Ouais, puis c'est qui me doit 20 $? Hey, ce soir, là, je raconte tout à papa, puis ça va être ta fête. Oh non, non, s'il vous plaît, Chloé, je t'en prie. S'il vous plaît, je t'en supplie. Bye! Mais t'as pas l'air emballé que ton père te fasse ta fête, hein? Ben... Mettons que c'est pas le genre de fête où tu souffles des bougies, hein? Tout ça pour un petit 20 $. Tu sais, Mano, dans la vie, là, on n'est jamais trop généreux ou on rend jamais trop service. Tu me le remettras quand tu pourras.
Manolo, t'es mon sauveur. Alléluia, alléluia. Avec l'argent que je vais gagner avec les gratteux que je vais m'acheter, je te le remets demain, puis en plus, je fais du profit. Est-ce un avion? Est-ce une fusée? Une comète? Non! C'est Manolo le sauveur qui frappe encore! Ouch! Manolo le sauveur vient de frapper un mur. On t'en est plus avec toi? Hey, il a pris mon beau lunch puis il m'a laissé le sien, tu sais. Je suis sûre qu'il a fait exprès. Dans le fond, c'est Chloé que j'aurais dû aider. Chloé! Non, rien, laisse faire. Manolo! Viens ici. Hey, je le savais, rends-moi ce que tu m'as pris! Hey, c'est mon disque. Je te parle pas du disque, je te parle de l'argent qu'il y avait dans le boîtier. Comment tu sais ça, toi? C'est moi qui l'ai mis là. Hein? Essaye pas de faire l'innocent, Manolo. C'est mon argent que t'as piqué, ça fait que donne-moi-le. Hey, c'est ma mère qui me l'a donné, là. C'est ma paye pour avoir fait du bénévolat. Mais depuis quand on a une paye quand on fait du bénévolat? Et je sais qu'il a dit de même, ça a l'air bizarre, là. Aussi bizarre que la face de ma mère quand j'ai dit merci pour l'argent. Ah ouais, crache mon cash, tu casses. Je viens de comprendre, Simon, là. Excuse-moi, je me suis trompé. Tiens, merci. Manolo, il manque 20 piastres. Et je vais t'expliquer. Je m'en fous de tes explications. Ce que je veux, c'est mon argent. Hey, relax, oh, qu'est-ce qui se passe ici, les gars, là? Hey, Manolo a essayé de piquer l'argent de mon gratteur. J'ai rien piqué, je pensais que c'était un cadeau. Ouais, bien essayé. Non, Manolo dit la vérité. Tu crois ça? Attends un peu, là, on va démêler l'histoire ensemble, là, mais... Avant, il manque un morceau. J'aimerais juste vérifier qu'est-ce que tout ça faisait dans ta poubelle. Ah. Oh, non! Allez. Excuse-moi, mais j'aime mieux que les parents traînent pas trop dans le vestiaire avant une partie importante, hein, ça. Ça déconcentre mes petits Gretzky. Ouais, c'est bon. Antonin, hey, si c'est pour me parler de ma dette, là, laisse faire. Celle de Chloé ou celle de Manolo? Ouais, je suis au courant, puis maintenant, c'est à moi que tu le dois. Encore là? Oui. Justement, je voulais juste vous dire que je trouvais que les gratuits, c'était peut-être pas une bonne façon pour récompenser les joueurs. Hey, mon père est en train de parler à ton père de nos gratteux. Hey, il les a trouvés dans la poubelle hier. T'es gratteux, Simon. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Oh, lâcheur. Ben oui, mais une fois n'est pas costume qui fait le moine, non? Et puis, qu'est-ce que t'as à te plaindre de ton fils a eu un billet gagnant? Oui, je sais, mais c'est parce que je trouve que de l'argent facilement gagné à la loterie, ça mène à rien de bon. Je dirais même que chez nous, ça se met la pagaille. Ah! Ben, excuse-moi de te dire ça franc comme ça, la moitié Claude, là. Mais ça a peut-être rien à voir avec l'argent facilement gagné. La pagaille, chez vous. Ben, attendez, qu'est-ce que tu niaises, là? Ben, voyons, je t'ai pris ça, tous ces billets-là, Zamboni. Ben, laisse-moi finir, papa, là. Je suis sûr que je vais gagner. Nanin, t'es-tu à prendre des fous, toi? Monsieur Mongeau, je pense que je vais aller m'asseoir dans les estrades. Je te gâche 20 piastres quand Antonin va jouer sur le banc aujourd'hui. Non, Simon, là, les paris, mets ça sur la glace.